Ben! Owen! Salut. Salut. Est-ce que tout va bien? Ouais. Peut-être que je tombe mal? Non, pas du tout. Alors, quoi de neuf? Une mission en vue? Si on veut. Si on veut. Tu sais quoi? Ici, on évitait de parler d'Isaac pendant quelques instants. Owen... C'est quand la dernière fois que t'es venu? Regarde-moi ça, et admire un peu. Qu'est-ce que t'as fait? Pas grand-chose. J'ai arraché quelques lianes, j'ai repeint 2-3 murs. Alice est ici? En balade avec Mel. Tout va bien pour vous? La vie de couple et tout? Ouais... Ouais, c'est pas mal, enfin... Elle est vraiment gentille. Ça doit être cool après moi. Bah... Sous tes airs de dur à cuire... T'as un côté tendre aussi. T'as une mémoire de merde. Sélective, tu veux dire. C'est quoi, ça? Ouais, Mel et moi, on se fait un petit concours. Mais je suis pas sûr que ça te plairait. C'est assez compliqué. Je vois ce que tu fais. Et ça marche. Je joue. Ok. Tu vois les cibles? Ouais. Touche-en un maximum avant la fin du chrono. Si je gagne, t'ajoutes mon nom au tableau. Ça marche. Je suis fier de toi. Oh, pas mal. Putain de merde. 5. La moitié, Abby. Mais cool, hein. Je suis vraiment super fier. Merde, t'as réussi, t'as battu le record. Ah, il me reste du temps, non? Ouais, mais... Alors c'est pas encore fini. Est-ce que tu peux être arrogante? Le pire, c'est que j'aime ça. Que 10 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un... J'ai réussi. Du premier coup. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est génial. Et super forte. Arrête, et mets-le sur le tableau. Je le ferai. Plus tard. T'as peur que Mel découvre que j'étais ici? Non. Elle s'en fout. Alors mets mon nom sur le tableau, Owen. Ok. Calme-toi. Bon. Il y a une dernière chose que j'aimerais que tu vois. Viens, c'est en haut. Le cadavre du capitaine du bateau? Si c'est ça, je l'ai vu la dernière fois. Oh, tu lui as quand même pas mis un bonnet de Noël, si? Hein? Non. Mais j'avoue que ça serait marrant. Après toi. C'est quoi tout ça? C'est festif. Et t'as pas encore tout vu?
Assieds-toi. Admire un peu cette vue. Et maintenant, goûte-moi ça. Alors ? La vue est chouette. Oh, t'exagères. Rabat-joie. Tu veux que je mente ? Ouais, je préférerais. Elle est à fond sur les trucs de Noël et... Ça fait un an, elle et moi. Alors... Je trouve ça trop mignon. C'est ça. Eh ben moi, je t'emmerde, ok? Non, c'est juste que j'aimerais bien que quelqu'un me masse pour m'en faire une. Tu le mérites pas. Quoi? La chaussette? Ou que quelqu'un m'aime? Qu'est-ce qui te met d'aussi bonne humeur? Qui, moi? Sèche l'entraînement ce soir. Abby, quand la lune se lève... J'ai trouvé le frère de Joël. Il est dans un camp, dans le Wyoming. Comment tu le sais? On a mis la main sur des lucioles qui faisaient partie de son groupe. Je croyais qu'il avait raccroché il y a une dizaine d'années. Ouais. Et donc, ces types ont eu de ces nouvelles récemment ? C'est une piste. Il faut que j'en sache plus. Ok, mais tu sais bien que même si tu le retrouves, même s'il est là-bas, il saura peut-être pas où est Joël, d'accord ? Tu l'as dit aux autres ? Oui, tout le monde est partant. Mel l'est aussi. On part la semaine prochaine. Isaac voudra jamais laisser autant de monde quitter la base. Isaac est d'accord. Mon cul, ouais. Personne ne tient à la justice plus que lui. Il sait ce que Joël a fait. Hé. Je peux compter sur ton aide, pas vrai? Le péché est en lui. Il se cache.
Libère-les. Ainsi, ils pourront connaître. Yara. Où se trouve l'autre infidèle? Brisez-lui les ailes. Arrive. Fais-la descendre. Mais c'est une des leurs. Lève ! Faites gaffe. Avant que d'autres n'arrivent. Les directions se ressemblent. T'es sûr que c'est par là ?
Chemin. Si c'était le cas, on passerait pas par ici. Allez, lève. Occupe-toi. Pousse-toi. Allez-y. Je suis là. Une dame. À vous. Oui. Ça va? Je maîtrise la situation. Ok. Prenez tout ce qui peut servir. Ne touche pas à ça, c'est de l'ancien monde. Sérieux? Vous avez pas ce qu'il faut. C'est pas la fin du monde. Sans mauvais jeu de mots. Quel jeu de mots? C'est la première fois que je vois des Scars s'affronter. Des Séraphites. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis rasé la tête. Ok, me dis rien. Franchement, ça m'est égal. On arrive bientôt sur la côte. Encore un peu. C'était long. Reste bien. Ah!
T'es pas obligé de nous suivre. Tu veux que je vous abandonne tous les deux ici? Et si... Sortons d'ici, c'est tout. Fais passer et vous ouvrez la porte, ok? On t'ouvrira. Allez. À ton tour. Attention, bras. Confiance à Descartes. I don't know.
J'ai besoin d'une minute. Accroche-toi bien à moi. Ok. Mon bras. Je sais. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire, expire. Doucement. Inspire. Expire. Les portes et vérifie qu'il n'y a pas d'infectés. Ça s'ouvre pas. Et c'est les autres. Alors ? Non. Ici. Allez, entrons avant de se faire repérer. La porte. Aide-moi à enlever ça. Comment t'y prendre ? Découpe ça en bandes. Allonge-toi. Je vais bouger ton bras, ok ? Si. T'es prête ? Comment tu t'appelles ? Abby. Merci de m'avoir libérée. Il y a beaucoup de passages dans le coin. Je sais qu'elle n'est pas en état, mais il faut que vous partiez avant demain. Ça va aller. C'est ça. Maintenant... Owen. L'aquarium est juste là. C'est parti. Yeah.
Le courant est fort. Bon, je vais réessayer.
Je sais que t'es là, Owen. Je suis obligée de faire pour toi. Je te préviens, t'as pas intérêt à râler pour la casse. Ok. Bon, ton sac est ici. C'est du sang, ça? Hey, Owen! Owen! Putain de merde. Évidemment. Owen ? Putain, ça c'est vraiment cruel. Isaac, t'as chargé de me retrouver ? Pas du tout. C'est quoi tout ça ? Faut bien que je le démonte, si je veux le réparer. Je vois. T'en veux ? Sans façon. C'est toi qui vois. Danny est mort. Tu peux me dire ce qui s'est passé ? On était en train de démanteler un camp. Juste quelques scars et... J'en ai frappé un à la tête. Fort. Alors il s'est écroulé. Son arme était à portée de main. Mais il n'a pas essayé de la prendre. Au lieu de ça, il me regarde. Et je vois qu'il est vieux. Et qu'il est fatigué. Il avait l'air... d'être prêt.
J'ai tué un paquet de Scar. Et... ce mec-là, putain... Je pouvais pas. Évidemment, Danny s'est mis à me gueuler dessus. Je lui ai dit que j'en avais marre. Qu'il avait qu'à le faire lui-même. Et là, il pointe son flingue sur moi. Alors je l'attrape et... Au début, je savais pas lequel de nous deux était touché. Tu t'es juste défendu. Arrête. Je vais arranger tout ça. Je parlerai à Isaac. Je suis fatigué, Abby. J'en ai ras-le-bol de défendre un putain de territoire dont j'ai plus rien à foutre. Je vais à Santa Barbara. Quoi, à cause d'une rumeur? C'est plus qu'une rumeur. Non, les Lucioles sont pas là-bas. C'est fini. C'est une piste. Faut que j'en sache plus. Et pour Mel? Elle est en sécurité ici. C'est ça. On en reparle demain quand t'auras des cuvées. Pas ça. Faire quoi? Me traite pas comme un cinglé. Je sais que tu penses comme moi. Si les Lucioles sont vraiment à Santa Barbara, je préfère me barrer dans la direction opposée. Quoi? Non, rien. Désolée d'être adulte. Tu devrais essayer. Ah oui, comment je fais ça, Abby? Je devrais chercher ceux qui ont tué ma famille? Les massacrer? Je pourrais les torturer jusqu'à ce qu'ils pissent. Thank you.